Quand on commence avec un artichaut, c'est très simple. On le prend en main comme ça. On prend un petit couteau, plutôt un petit couteau d'office, un couteau à huître un peu coupant. Ça fonctionne très bien aussi. Et en fait, on va venir grossièrement, dans une première partie, retirer les premières feuilles qui sont à la base de la tige. On va venir en fait découvrir le légume et lui retirer ses premières feuilles. Alors, dans cette recette, aujourd'hui, je n'utilise pas ces feuilles d'artichaut. En revanche, il faut savoir qu'une petite vinaigrette est tout juste ébouillantée et c'est délicieux. Voilà, là on voit un petit peu mieux du coup notre légume. C'est un peu comme une fleur en fait, hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager. Voilà. Alors, je coupe le bout de la tige et tout simplement, je vais venir, donc j'ai épluché dans ce sens-là, comme si c'était une fleur. Je retire les pétales dans ce sens-là. Maintenant, pour venir le terminer, je le prends dans l'autre sens. Donc plutôt la tige vers moi, vers le haut. Et je viens avec mon couteau gratter en fait délicatement les premières couches comme ça. Voilà. Et je vais faire en fait un artichaut qui est bien propre. Sans résidus verts, les résidus verts sur l'artichaut ne sont pas bons. Très amers, la mâche est très particulière, comme si on mangeait un légume qu'il ne fallait pas manger. Voilà. Donc là, mon artichaut, il est dégagé. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais venir couper ici. Voilà, juste ici. À fleurs. Et en fait, on voit... Voilà, le joli légume tout entier. Donc comme c'est un poivrade, ça veut dire qu'il est jeune. Donc ça veut dire que j'ai quasiment pas de foin dedans à retirer. Contrairement aux gros artichauts quand ils sont très gros, très verts. Et du coup, je vais pouvoir venir le manger comme ça. Après, je taillerai juste en deux. Surtout, vous voyez, il commence déjà à noircir. C'est un légume qui supporte pas l'oxydation. Donc ce que je fais, le temps que je prépare le reste... Je vais le laisser dans de l'eau avec du jus de citron et un demi-citron. Ensuite, donc pour la cuisson des artichauts, moi je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. Quand on les a mis dans l'eau afin qu'ils ne s'oxydent pas, on n'hésite pas à mettre un morceau de citron entier. On presse un peu le jus dans l'eau bouillante. Toujours une petite pincée de sel parce qu'on est sur des légumes. Voilà, et quand on est à ébullition, on va aller plonger tranquillement nos artichauts. La cuisson de l'artichaut sur des tailles comme ça, là, on est sur 5-6 minutes. Quand on a une belle ébullition. Alors maintenant que mes artichauts sont cuits, je les retire tranquillement de l'eau. On va pouvoir tailler en deux. Ensuite, je prends une petite poêle, un petit filet d'huile d'olive et je vais faire revenir légèrement mes petits artichauts parce que du coup, ça aime bien l'eau, ça se gorge un petit peu. Et en fait, les passer dans la poêle va permettre de retirer cette eau-là et on va leur donner un petit goût un petit peu plus sexy que l'eau avec le citron. À ce moment-là, on peut ajouter ma petite huile de noisette que j'adore. Voilà, et on vient mettre dans une poêle bien chaude nos petits artichauts. Un petit peu de fleur de sel dessus. Et on va pouvoir commencer à monter l'assiette. Tchac ! Cuisiner simple et pointu.